du verset 24 au 32. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. On dit Jacob demeura seul. C'est-à-dire que ta relation avec Dieu, c'est toi seul. Le salut, il est personnel. Jacob demeura seul. Et la suite, on dit quoi? Quand tu reviens du verset. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Jusqu'au lever de l'aurore. Amen. Jacob demeura seul. On poursuit la lecture. Comme ça, je vais le commenter à faire après. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'envoiture de la hanche. Et l'envoiture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia, church. Amen. Amen. Je vais commencer par là parce que c'est vraiment important. Je vous expliquais tout à l'heure, quand on est, on nous nomme, on a un nom, et c'est ça qui nous identifie. Parce qu'on arrive à nous identifier. On appelle recensement pour identifier la population. On va vous dire, telle personne habite là, ce n'est pas ton nom. Voilà. Et puis en même temps, ça se poursuit. Tu fais un travail et tout ça. Donc, tu as ton identité physique. Quand on emploie ta pure identité, ton nom est là, ton âge, où tu es né. Mais en même temps, la profession. Ça suit en même temps la profession, tout ça. Et en même temps, façon qu'il y a l'identité physique, il y en a aussi des spirituels. Vous comprenez? Et je vous dis que personne sur cette terre n'est né pour suivre ses camarades. Personne sur cette terre n'est né pour rien. Non. Dieu crée les champions. Dieu crée les meilleurs. Mais vous savez très bien que le diable est prêt pour détruire les gens. De toute façon, il y a l'identité physique, il y a aussi l'identité spirituelle. Or, c'est le spirituel qui fait le monde visible. Vous comprenez? Visible. Donc, tant que tu ne possèdes pas le spirituel, quel que soit ton talent, quel que soit ce que tu es, c'est foudroyé. Parce que le spirituel, tu ne peux plus maîtriser. Le spirituel est géré par une autre personne. Vous comprenez? C'est comme tout à l'heure, là, les anarches sur le Facebook, on prend mon identité, c'est pas ça vrai. On a riposté, on a commencé à se positionner parce que c'est pas ce qu'on fait. Vous comprenez? Donc le diable, par moment, ce que tu es, il t'apporte une autre manière. Non, on n'en a pas les gens sur Internet. Donc il prend ma photo et il fait ce que moi je ne fais pas. Or le diable, il a cette capacité de t'imposer une vie. Vous comprenez? De t'imposer une vie. C'est pour ça que moi je ne me manque pas des filles qui sont devenues prostituées. Pas parce qu'elles ont envie d'être prostituées. La chancellerie a transformé la vie afin d'être prostituées. Quand on voit des personnes dans des difficultés, priez pour ces personnes. On n'a pas désiré être là. On peut détruire ta vie. Une seule façon de Seigneur. Regardez l'histoire de Jacob. Jacob est l'aîné d'Isaac. Il est le petit-fils d'Abraham. Le père de la promesse, le père de la foi. Il fait un fils qu'on appelle Isaac, qui vient de sourire. Le père meurt, l'enfant épouse Rebecca, il a des jumeaux. Ésaü et Jacob. Le choix, le père aimait l'aîné. Parce que ce qu'on appelle la bénédiction prophétique chez les Juifs, on bénit toujours un aîné, on prophétise sur lui. C'est pour ça que quand vous avez des enfants, prophétisez sur eux. Vous avez compris? Parlez sur eux, prophétisez sur eux. Prophétisez sur eux, bénissez vos enfants. Or, le père était vieux en âge. Il cherchait quelque chose pour bénir. Voilà. Donc, il a demandé à Saül, Esaü de lui donner à manger. Or, Jacob, il savait bien ce qui était dans le droit d'aînesse. Amen. Amen. Frère, est-ce que tu sais au moins ce qui est dans le droit d'être enfant de Dieu? Les gens ne savent pas.
les bienfaits d'être un enfant de Dieu. Donc une église jouait ça. Quand il s'agit d'aller à l'église, il s'amusait ça. Mais Jacob a compris que quand tu es enfant, le droit d'aînex, tu as ce droit-là. Mais tu as tout dans la famille. Donc il dit, bon, ok. Moi-même, là, je suis venu dernier, mais je vais devenir premier. Dis amen. Amen. Soyez des ambitieux. Dis amen. Soyez ambitieux. Faut pas te dire que ce qui tu es aujourd'hui, c'est ce qui va te faire. Non, non, non. Ça dépend de ce comment tu vois la vie. Lui, il est devenu dernier, il est le dernier. Le choix de Dieu, c'était son père. Et son papa avait le regard fixé sur l'aîné. Mais lui, c'est dit dans son cœur, il va devenir premier. Amen. Voilà. Tout dépend de toi. Frère, c'est ça qu'il faut être ambitieux. Soyez dans le rêve est permis dans le Seigneur. Amen. Tu es assis, tu pleures, tu penses à la mari. Qu'est-ce que tu as dit ça? Parce que les gens autour de moi se marient. Non, ça veut dire que tu n'as pas de mari. Toi, tu es les gens, se marient, toi, tu es marié. Toi, tu es les gens. Chacun a sa vie. Chacun a sa destinée. Si elle se marie, que tu ne te maries pas, peut-être que Dieu prépare meilleur pour toi. Amen. Le nom de Dieu, c'est un. Le temps est un nom, le nom de Dieu. Chacun a son temps. Pourquoi tu périsses? Amen. Amen. Mais le rêve, faut pas qu'on t'arrache le rêve de devenir grand. Personne ne doit t'arracher ça parce que c'est en toi. C'est toi qui peux étouffer ça. Il n'y a même quelqu'un qui est devenu grand sans un rêve. Je n'ai jamais vu ça. Si tu veux devenir grand, il faut avoir un rêve. Quand je venais à Dibo, c'est parce que j'avais un rêve. Mais savez, personne ne peut m'enlever ça dans mon cœur. La vision de mon ministère, la grandeur de mon ministère, quand Jésus-Christ s'est révélé en moi, il m'a donné une vision. C'est ce qui est en train de s'accomplir. C'est le tiers de ce qui est en train de s'accomplir. Je suis en train de voyager, ça c'est rien. Par rapport à ce qui m'a béni. Amen. Amen. Qui t'a dit que tu ne seras rien demain? Qui t'a dit ça? Qui? N'amène pas les gens ou bien la situation dans laquelle tu te trouves t'imposer la manière. Or, c'est ce qu'un homme pense, c'est ce qu'il arrive. Toi, tu penses quoi? Tu es dans une famille pauvre, vous avez dit quoi? Non, toi, tu vas mourir pauvre, quoi? Ça dépend de ton rêve. Amen. Amen. Les gens pensent que c'est Abidjan réussi dans la vie. Quand tu es Abidjan, tu es un grand ministère. Moi, je suis à Divo ici. On entend parler du monde dans le monde entier. Amen. Ceux d'Abidjan ne font pas le même travail. Ils vont voyager. Pas comment ils voyagent. Qui les connaît? Amen. Amen. Tu dors. Tu te réveilles ça. Tu n'es pas né pour être dernier. Non, depuis là, les années passent. J'ai fait déjà 4 anniversaires. Seigneur, Seigneur mon Dieu, aide-moi. Aide-moi. Aide-moi, Dieu. Tu as commencé. Tu as la mort ou bien? Un enfant pour grandir, pour devenir enfant, il fait 9 mois. Un 9 mois. Ce n'est pas le premier jour du même bébé. Grand. Il sort dans le vent de la mer. Il y a des étapes. Il y a des étapes. J'ai une étape pour toi. Amen. Je n'ai jamais dit quelqu'un de béni. Que Dieu n'a pas préparé à la gloire. Que Dieu ne prépare pas. Ça veut dire que ce n'est pas ce que tu vis qui veut dire que Dieu t'a lâché. C'est un chemin obligatoire. Amen. Inévitable d'ailleurs, par moment. Tu qui fuis ça, ça va te rattraper demain. Amen. 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 Donc, faut pas te dire que tu ne seras pas quelqu'un. Jacob regarde, moi, je serai grand frère. Amen. Je serai grand frère. Mais quand il regarde mon frère, là, il ne sait pas ce qu'est l'endroit de l'Est. Si vous savez ce qui est dans cette histoire d'être enfant de Dieu, vous allez vous éloigner des choses de païens. Amen. Il est attaché à sa mère. Oh, mère, vous savez très bien, c'est l'épouse. Et l'épouse, c'est l'église. Attachez vos choses de Dieu. Amen. Il est dans la cuisine. Quand elle a appris, sa maman a appris ça, elle est venue dire.
quelque chose va se passer dans cette maison. Ce que tu voulais être, ça va se passer aujourd'hui. Ça dépend des ambitions. Il y a des gens qui ne sont pas ambitieux. Ok. Dans des vrais combats, parce que le gars a pris ses vannes négligées. D'abord, avant que le père le bénisse, il est revenu du champ. Le gars, il a faim, il attend odeur dans la narine. De poulet rôti. À 17h. Vous connaissez les fins de 17h, tu viens du champ. On doit m'inviter. Tu mens tous les cannes à sucre là, avant de venir. Les manœuvres sont pas. Puis là, tu dis ça déjà, pour mettre sous le bâtiment dans ton ventre, depuis tu t'en vas. Là, il tombe sur le poulet rôti du frère Jacob. Le gars déjà séduit par le poulet rôti. Il demande, donne-moi pour m'aider à. Non. Tu es grand frère, non? Il dit oui. Donne-moi le droit. On est dans le. Il n'a pas réfléchi. Ça dit, il a joué. Il ne savait même pas ce qu'on appelle grand frère. Oh, le. Ça dit, c'est ce que ça veut dire. C'est quelle fin d'une nuit, ça veut te tuer. Il a banalisé. Ça veut dire que le monsieur, il ne savait pas. Le petit savait ce qu'il était là. Donc, du coup, il a dit, bon, tiens, aujourd'hui, tu deviens grand frère. Parce qu'il a donné là, c'est changé sur le plan spirituel. Amen. C'est fini. Donc, sur le plan spirituel, Dieu reconnaissait Jacob comme grand frère et Esaïe comme petit frère. Parce qu'il a vendu ça. Donc, Dieu peut l'inspirer à faire quelque chose. C'est ce qui s'est passé. Parce qu'il fallait avoir la bénédiction du Père pour valider la bénédiction. Ce sera une bénédiction prophétique. Il part, on tue un agneau. Comme il s'est bien préparé, il a fait sauce, le plus sauce dangereux. Il a mis cuit manger les plus dangereux. Oignons les plus dangereux. Vous connaissez les pas des Mauritaniens. On ne sait pas ce qu'ils mettent dedans. Mais le quartier est soulevé. Même les chats veulent manger ça. C'est Mauritanien. Si vous avez des voisins comme Mauritanien, vous êtes mort, hein? À 13h, vous ne pouvez pas faire sieste. Oh, c'est Djaba, c'est Oignon. Oignon est horrible. Oignon est horrible. Petit vieux, bref. Mais on donne ça. Tous les chats du quartier sont autour de la boutique. Et lui, moi, le repas du Mauritanien. Et le papa. Il voit le plat qui rentre dans ses narines et séduit. Ah! Il appelle le fils. Il dit, de toute façon, tu parles là. C'est pas trop. Esaïe, hein. Mais. Viens te toucher. Or, sur le plan spirituel, les données avaient changé. Il touche. Et comme il avait porté la peau de l'agneau qu'il venait de tuer, il touche, effectivement, les poils. Et le papa le bénit. Il a fini par la bénédiction. Voici le frère en question qui avait déjà vendu son droit d'aînesse. C'est pour ça qu'il ne vendait pas ce que vous avez sur le plan spirituel. Ne vendez pas vos droits d'aînesse. Ne vendez pas. Amen. Amen. Ne vendez pas. Ça au diable. Cette position dans le Seigneur, ne vendez pas ça au diable. Quelle que soit votre difficulté, le Seigneur se souviendra un jour de vous, de votre fidélité. Amen. Joseph n'a pas vendu ça. Madame Potiphar dit, ah, mon mari, même là, ça fait 6 mois, il ne vient pas. Mais un garçon dedans ici. T'as dit, monsieur, viens, il y a pommade à mon dos là. Viens mettre pommade. Viens pommade. Viens pommade. Viens pommade. Le gars dit, mais c'est que pommade, on est sur le dos à 18h dans une chambre. Et puis on est deux là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on dit soyez obéissant, donc il s'est rappelé ce verset. Il va être obéissant. Oh, la femme, elle a bien préparé son coup. Quand elle a fermé, tout est tombé. Excusez-moi. Pommade là, c'est venu ça encore. Maintenant, c'est la femme qui lutte le garçon. C'est pas le garçon qui lutte la femme. Qu'est-ce qui se passe?
En temps normal, mais c'est pas moi, j'ai chaud. Dès que vous voulez, vous voyez, vous voyez. C'est venu cadeau, vous voyez, vous quelque chose, ça vient. Oh, elle me donne ça cadeau. Il est revenu, elle m'a dit, c'est que toi, mais t'as vu. Toi, mais t'es dit, t'as vu. Moi, mais je voulais pas. C'est pour moi, c'est une autre chose. Moi, mais je suis cher. La chair est faible, Seigneur, la chair est faible. Mais il dit, moi, je ne vends pas mon droit d'être premier ministre parce que j'ai mon rêve. Amen. Dis amen. Amen. J'ai mon rêve. J'ai mon rêve. Je ne vends pas ça. Il a fait. Il a rencontré tout ce que vous pouvez rencontrer. Il est allé en prison. De la prison de premier ministre. Il n'a pas perdu ça. Cette grâce a cessé sa vie. Amen. Amen. Toi, tu as faim, odeur de rôti poulet, tu fais vendre ton droit de naissance. Après ça, tu te plains. Le petit a pris ça. Ils l'ont béni. Et après, c'est la fille. Parce qu'il savait que son frère était très violent. Son frère allait le tuer. Un grand chasseur. Donc, il avait l'identité qu'il n'avait pas. N'est-ce pas? Amen. Il a volé ça. Comprenez? Donc, il fuit. Il va chez Laban, son oncle. C'est vrai que lui a donné la bénédiction. Mais ce n'était pas encore validé concrètement par le ciel. Donc, il va chez son oncle. Il fallait retourner chez lui, au pays. Il avait toutes les difficultés parce qu'il sentait en lui quelque chose de très vif. Il avait besoin de la présence de Dieu. Or, dans ce chapitre 32, à partir du verset 24, on dit « demeura seul ». Ça veut dire que Jacob avait cette notion d'être dans la présence de Dieu. Dis amen. Amen. Il demeura seul. Un homme de prière. Or, on dit, quand vous lisez aussi, on dit ici, Jacob demeura seul. Alors un homme lui était avec lui jusqu'à l'élevée de l'aurore. Ça veut dire que c'est un homme qui priait, il connaissait l'aurore. C'est un homme de prière. Le combat se livre les nuits. C'est un homme de combat, un homme de prière. Toi, tu vis une situation difficile, mais est-ce que tu as une vie de prière? Il y a des gens qui pensent que c'est par leurs imaginations ou même leurs relations, ils pourront avoir ce qu'ils ont envie d'avoir. Vous mentez. La Bible déclare que ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence. Ça veut dire que la puissance de Dieu, que les montagnes pourront se déplacer. Cette montagne qui vient de se dresser devant toi, qui seule la puissance de Dieu, peut investir cette montagne. Ils sont pas tes relations. Je suis désolé. Tes relations ne peuvent pas. Il faut fléchir genoux. Les gens pensent que là, il faut que le prophète prie pour nous. Toi, tu fais quoi? Jacob n'a pas cherché une intercession quelque part. Il connaissait déjà où avoir une solution, c'est la présence de Dieu. Bien-aimé, tu sais déjà où avoir la solution, c'est la présence de Dieu. Il a quitté tous les bruits, il est resté seul dans la présence de Dieu. Naturellement, un ange est venu. Un ange apparu. Parce qu'il a volé, n'est pas l'identité qu'il fallait. Ce n'est pas lui. Il est comme il a pris la bénédiction. Donc, il fallait que Dieu change son identité spirituelle. Dis amen. Amen. C'est ça ton problème. Tu as une autre identité que le diable t'a imposée. Un coup, tu es devenu alcoolique. On ne te reconnaît plus. Tous les belins d'Abidjan ont été dedans. Jaune amé, jaune vert, ils ont des couleurs. Jaune amé. Citron, quoi encore? Yamaku. Petit couleur. Il y a ce qui aussi. À l'aurore là. 4h du matin. 4h où on prie là. Toi, tu es dans 4h. Et tu le vois ses yeux. Un lit de belles, ça ne te suit pas. Ils ont changé ta vie. Elle ne boit pas un coup, il ne peut pas dormir. Ils ont changé ton identité. J'ai rencontré une fille dans l'entretien. Tant qu'elle ne couche pas avec 5 hommes, elle ne peut pas dormir. C'est ce que moi j'ai dit, mais il y a des gens qui pensent. Il y a des gens même là. Elle peut pas. Elle peut pas. Elle peut pas. Elle peut pas. Excusez-moi. Elle est le blé de se masturber.
une jeune fille burkinabée. Pendant qu'elle a eu ses menstrues, c'est sa grand-mère qui a lavé ses premiers menstrues. Et quand elle a fini d'avoir des trucs, ça a commencé. Elle a commencé à une vie de masturbation et c'est arrivé comme ça. Et qu'on a détesté ça, j'étais obligé de faire sa délivrance pour qu'elle soit délivrée. Et le Seigneur l'a délivrée. Amen. Un garçon, qu'elle en arrive. Le voisin va descendre. Comment tu dis à ma chérie, le voisin là-bas? Que tu encourages comme moi à Paris. Tu fais deux mois, c'est dit. Oh, elle fait ce qu'elle ne veut pas. Et lui, il pose ça. Ils ont changé son identité spirituelle. Il y a des gens qui volent, scopent les kleptos. Ils volent, ils ont envie de voler, ils prennent des choses. Ils ont changé ça. Ils t'ont donné le célibat, le non-emboutissement. On change tout en toi. On te rend stérile. Garçon, mais t'as vu une fois, il ne veut même plus te bibler encore. Il fuit. Quand la paix au rang, bonjour, correspond de Paris, il a fui. On n'est plus joint dans l'île, il a fui, c'est bon. Correspond, il est parti, il a fui. Personne ne peut pas joindre, tu as bien insisté. Au correspond, il a fui. Amen. Amen. Et on change ta vie. Et toi, là, tu constates que tu n'es pas ce que tu devais être. Tu es une autre personne. Et tu sens ça en toi. Donc tu es frustré. Tu ne comprends plus rien. La sorcellerie peut faire ça. Te changer. Elle dit pendant que je dormais. Elle dit pendant que je dormais. Pendant que je dormais. Cette femme a changé mon fils. Cette femme a changé mon fils. Elle a transformé. Elle a pris son fils. Elle a changé mon fils. Dieu te transforme ton identité. Alléluia. Amen. Pour que l'identité de Jacob change, pour que l'ange lui pose une question, quel est ton nom? Il dit, bénis-moi. Il dit, mais ton nom, quel est ton nom? Jacob, tu ne diras plus Jacob. Quel est ton nom? Il y a une autre identité qui est imposée par la sorcellerie. C'est ça que Jésus veut transcender. C'est ça. Dieu dit à la famille de Lazare, où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Où ils t'ont mis? Où la sorcellerie? Ils ont fui ta bénédiction, c'est ce qui intéresse. Même si les gens pensent que tu ne seras plus quelqu'un, mais avec Dieu, tout est possible. Amen. Dieu, avec Dieu, tout est possible. Amen. Et si ce sont montés de toi, c'est eux qui vont te demander l'argent demain. Amen. Toi, n'abandonne pas ton rêve. Bien quelqu'un n'abandonne pas ton rêve. Amen. Il n'est pas dit d'aller dormir et puis ronfler. Le rêve, c'est ce qu'on est en nous. Que personne ne peut arracher. Amen. Ce n'est pas ce que nous vivons au quotidien qui peut arracher ça. Non. C'est ce que Dieu met en toi. Sans un rêve, Dieu ne bénit pas. Dieu ne peut pas bénir quelqu'un qui n'a pas un rêve. Non. Que le diable ne vienne pas t'arracher ça. Amen. Alléluia. Amen. Dis amen. Amen. Avec Dieu, tout est possible. Amen. Même si on pense que tu es l'homme le plus bizarre de la famille, tu es l'homme le plus bizarre du quartier, tu es l'homme le plus bizarre, la femme bizarre de la famille, du quartier, du village, Dieu te donnera un nom. Il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Alléluia. Amen. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai un jour ton nom grand. Alléluia. Quel homme Jacob rentre dans la présence de Dieu. Amen. On dit Jacob resta seul. Il est resté dans la présence de Dieu. A commencé à revendiquer ses droits. A commencé à dire Dieu change mon identité. Dieu transforme moi. Jacob est du vaurien. Et lui donne un autre nom, Israël. Dis amen. Amen. Dieu te donne ce soir un autre nom. Dieu transforme ton identité ce soir. Amen. Dieu t'accorde ton mariage. Amen. Dieu t'accorde ta prospérité. Amen. Ta fécondité, ta richesse. Amen. Reçois cette bénédiction. Amen. Reçois cette bénédiction. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Reçois
peut acclamer le Seigneur. Amen. Acclamez le Seigneur.